Après avoir demandé trois fois au Seigneur d'ouvrir nos lèvres et notre bouche pour proclamer ses louanges, et lui avoir donné notre confiance au milieu des angoisses et des persécutions avec le psaume 3, l'office des matines se poursuit par l'invitatoire, composé du psaume 94 et d'une antienne variable selon les fêtes. Ce chant se présente sous une forme très ancienne appelée responsoriale ou psalmodie avec refrain. Saint Augustin, dans son commentaire sur les psaumes, atteste cette pratique devant remonter vers les 3e et 4e siècles avec l'intervention active de l'assemblée dans la psalmodie. Cette forme est à différencier dans l'antiphonie et c'est Isidore de Séville au 6e siècle dans ses étymologies qui nous énonce la différence entre ces deux types de chants. Il nous dit « Voici la différence entre le chant responsorial et antiphonie. Dans le premier cas, un seul prononce chaque verset du psaume, dans le second, les chœurs alternent les chants de versets. Ainsi, le soliste chante le psaume et l'assemblée lui répond avec un refrain que le psalmiste lui aura tout d'abord mis dans l'oreille. Néanmoins, dans la règle de Saint Benoît, il est dit que l'invitatoire peut être chanté de deux manières, soit indirectum, soit responsorial. Mais dans la pratique, c'est la deuxième version qui est adoptée universellement. Commencer la liturgie des heures par un invitatoire n'est pas propre à la liturgie monastique. L'office romain, lui aussi, possède un invitatoire, sans doute introduit dans sa liturgie par Saint Grégoire le Grand, qui lui-même était moine. Mais aussi, nous retrouvons des formes d'invitatoires dans les liturgies syriaques, qu'elles soient syriennes, chaldéennes, mésopotamiennes et maronites. Mais là, avec d'autres psaumes que le 94. On y chante les psaumes 113, 116 et des versets du psaume 118. Dans l'office hispanique, il est aussi proposé différents psaumes selon les jours. Dans la liturgie ambrosienne, c'est le cantique des trois enfants qui sera chanté avec refrain. L'antienne d'invitatoire, Regem Venturum Dominum Venite Adoremus, celle de l'avant. Le roi qui doit venir, le Seigneur, venez, adorons-le. C'est en fait tout le programme des chrétiens pour l'avant, c'est-à-dire adorer Dieu que nous reconnaissons déjà comme notre roi et qui doit venir très bientôt. Il est chanté à Joug dans une mélodie en quatrième mode, qui a été composé et propre pour l'abbaye. Cependant, les versions les plus connues pour cet invitatoire sont des mélodies en sixième et en cinquième mode.